Bonjour, aujourd'hui je voudrais te parler de l'importance de la communauté quand tu achètes un programme pour apprendre quelque chose. Donc, je parle ici évidemment d'un programme online. Moi j'ai acheté le programme Samba de Sigrun au début de l'année et j'étais à ce moment-là avec ma passion de donner cours de danse, de faire des coachings pour le féminin sacré. Et je voulais avoir, construire mon business online. Et j'étais encore relativement au début avec ça. Et ce qui s'est passé quand j'ai acheté, à part que Sigrun était une super prof, mais ce qui s'est vraiment passé aussi dans ce groupe, dans cette communauté qui est là, on est plus que 400 personnes dans cette communauté. Il y a une ambiance dans cette communauté. Et j'ai remarqué ça aussi quand je donne des cours online, ce qui se passe. Donc, quand tu es dans une communauté où tu peux t'identifier aux gens qui sont là-dedans, donc imaginons que moi je veux apprendre un business online, oui, en tant que professeur de danse. Et je vais me mettre dans un cours. Et dans ce cours, il n'y a premièrement que des hommes, et puis tous ce sont des informaticiens. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Dis-moi. Donc par contre, imagine-toi, je suis donc toujours professeur de danse et j'arrive dans une communauté où il y a des gens qui font la danse-thérapie, il y a des gens qui sont des psychologues peut-être, qui travaillent avec une thérapie corporelle, il y a des gens qui sont professeurs de yoga, d'autres qui sont dans tout ce qui est chant, donc tout ce qui est expression corporelle et un tas de techniques comme ça, ils sont tous là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va pouvoir parler de ça et mutuellement, on va pouvoir s'aider. Donc, si moi j'ai une question, parce que je viens en tant que professeur de danse, il y en a un qui est professeur de Qigong, un autre qui est professeur de yoga, et je parle de voilà, de mon truc, et qu'eux ils vont dire oui, mais dans le Qigong, mais oui, dans le yoga, c'est comme ça. Donc, mutuellement, on va tellement pouvoir s'apporter. Et ça, c'est important. Donc, quand tu achètes un programme et qu'avec ce programme vient une communauté, d'ailleurs, je te le recommande. Acheter un programme sans la communauté est dur, hein. Tu vas toujours te trouver seul. Et si tu n'es pas dans un environnement familial ou d'amis qui sont dans le même trip que toi, peut-être que c'est même l'inverse, ils vont te dire, mais qu'est-ce que t'es farfelu? Hein, pour moi, en tant que professeur de danse, c'est certainement arrivé. J'ai oublié mon micro. Mon Dieu, je ne sais pas si on m'entend. Et donc, si tu n'as pas un environnement qui te soutient, à ce moment-là, c'est très très dur d'apprendre. L'inverse est vrai que quand tu as une communauté où on est tous dans le même bain, avec plus ou moins le même business, hein, et on peut mutuellement se donner plein de conseils et plein de versions, facettes différentes du plus ou moins même business. Bon, ça n'exclut pas. Si je suis dans un groupe où il y a aussi des informaticiens, par exemple, ou des, je sais pas moi, docteurs, ou enfin, une profession qui serait totalement opposée. Ce n'est pas comme si ces gens-là ne peuvent rien m'apporter. Ils peuvent m'apporter quelque chose. Mais si je ne me trouve qu'avec des gens comme ça qui n'ont rien en commun avec moi, cette communauté ne va pas m'avancer. L'autre chose qui est importante avec une communauté, c'est la langue. Si ton business, j'ai eu le cas, c'est pour ça que je le dis, mon business est en français, je suis dans un groupe qui est entièrement en allemand, que des Allemands. Eh bien, ils ne savaient même pas si je créais un site web, allez voir sur mon site web, à part dire, ah, tu as des jolies images, c'est tout ce qu'elles pouvaient dire. Donc, il est important que quand tu es dans une communauté, que cette communauté-là puisse au moins comprendre ta langue. Hein, si vous parlez comme par exemple chez Sigrun, ici, on parle en anglais. Il y a beaucoup de langues différentes là-dedans. Donc, si on s'échange et que moi j'ai quelque chose qui se passe en français, ben, c'est super chouette que j'ai quand même des gens qui comprennent, qui savent me donner, savent lire mes textes et me donner un feedback. Ça, c'est trop long, c'est trop court, c'est pas bien formulé, etc. Donc, très important. Donc, vous avez une longueur d'onde, une sorte de domaine de business qui est pareil, que vous avez aussi une compréhension, quelque chose de pareil au niveau de la langue. Donc, voilà. C'est important pour moi, très 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 important, que quand tu travailles online, tu apprends online, tu as une communauté avec. Offline, c'est pareil. Hein. Si tu te trouves, combien d'enfants se trouvent dans une classe où ils se sentent comme un cheveu dans la soupe? Et qu'est-ce que ça fait? Ils n'ont plus envie d'apprendre. C'est humain, ça. Et donc, c'est exactement comme ça pour nous les adultes aussi. Donc, si tu vas apprendre quelque chose offline et que tu détestes le prof, tu détestes la classe, tu peux être sûr que tu auras difficile à apprendre. Donc, cherche-toi un prof. Que tu admires, qui est pour toi un modèle, quelqu'un que tu voudrais suivre, tu voudrais devenir comme elle ou il.
Ouais, et la communauté doit coller aussi. Donc, ça, c'est ça. Communauté online pour un business online, pour un cours online, hein. Deuxième chose, et ça, j'en parle parce que Sigrun, elle combine ça tellement bien. Elle nous offre deux fois par an l'occasion d'aller la voir en face. Je ne l'ai jamais vue en face, je me réjouis terriblement de ça, incroyablement de ça. C'est à la fin de ce mois-ci que ça se passe. Donc, quand tu achètes un programme online pour apprendre quelque chose et tu as cette communauté, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de pouvoir rencontrer tous ces gens avec qui tu as créé et tu as tissé des liens d'amitié virtuellement, enfin les voir en face, pouvoir les prendre dans les bras et être tellement content. Tu peux t'en réjouir de ce moment. Et c'est important de tenir compte de ça. Donc, soit quand tu achètes un programme, que tu aies une communauté qui va avec, où tu te sens tellement, tellement bien, tu te sens en sécurité, tu te sens structuré et entouré, mais de pouvoir aussi avoir des moments où tu vois les personnes en vrai. Et si tu donnes un cours online toi-même, offre ça aussi à tes clients, de te rencontrer en vrai, que ce soit une retraite, que ce soit un stage, que ce soit une journée VIP que tu organises ou que la personne peut venir et travailler une journée entière avec toi. Moi, je l'ai fait, hein. Je suis allée voir des coachs. Il y en avait un en Cologne, un à Berlin, j'ai été à Munich, ouais, bah, c'est beaucoup en Allemagne, mais bon, j'ai été à Marseille. Oui, travailler avec la personne en individuel, c'est quelque chose de fabuleux, évidemment. Et c'est important d'avoir ces liens-là. Voilà, bah ça c'est ce que je voulais dire aujourd'hui à propos de l'importance de la communauté, que tu n'es pas seulement un cours online, mais que tu es une communauté qui va avec. Et regarde les deux choses avant d'acheter. Ah, regarde vraiment les deux choses. Va chercher les témoignages. Qu'est-ce que les gens disent quand ils ont travaillé avec cette personne? Comment c'était pour eux? Regarde, lis tous les témoignages. C'est de toute façon dans le marketing maintenant une habitude, je pense. Des pages de vente, par exemple, qui sont bien faites. Tu as toujours plein de témoignages. Et ça, c'est important, ça. Les témoignages par vidéo, je les trouve encore mieux parce que tu peux tout de suite. C'est pas écrit joliment écrit, c'est simplement la personne parle de son cœur, parle de son expérience et. C'est précieux, tu sens tout de suite les énergies là-dedans. Voilà, ben c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée. Dis-moi, est-ce que toi tu es déjà dans tes communautés? Est-ce que tu en as fait la même expérience, que tu t'es trompé de communauté et que tu as dû sortir parce que ça n'était pas la bonne longueur d'onde, ça ne te nourrissait pas, ça te servait à rien? Est-ce que tu as fait des expériences comme ça ou bien l'inverse? Ça m'intéresse. Je trouve que sur le net, on peut vraiment se créer des amitiés très, très, très fortes et quelle joie de voir ces gens en vrai après. Ok, assez parlé pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée et à très bientôt.